Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau voyage onirique. Et vous voyez ici l'entrée. Si je me mets plutôt par là, ça sera mieux. C'est pas mal hein, comme entrée de Dodo Airlines. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous, je trouve, qui ont fait ça. C'est vrai que sur mon île, j'ai pas ce petit, cette petite entrée pour Dodo Airlines. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il manque un peu une valise. Ça aurait été parfait avec la valise. Mais c'est déjà pas mal. Ah là, moi j'aime. Alors bon, Apollon j'aime moins, mais regardez un peu cette première vue, très très chouette. Sauf Apollon, bien sûr. Motif au sol très joli, hein, on peut le dire quand même. Nous sommes sur une île qui s'appelle Gipsy Road. Ok, c'est pas mal du tout. Alors j'ai l'impression qu'on n'aura pas les nouveaux objets. Regardez, il a fait une sorte de tapis au sol. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a un petit concert ici. Avec les objets du carnaval, justement, qu'on a au-dessus. Pas mal du tout. Ah, là, c'est fermé. Ok. Oh. Alors, c'est en travaux. Je peux pas du tout passer. Non. Ouais, il a complètement bloqué sa plage. Waouh! Salut! Oh, tu t'es fait bobo. Lucy Gipsy Road. Ok, bienvenue, qu'elle me dit. J'aime beaucoup. C'est bien foutu. C'est dommage que la plage, elle soit pas dispo. Waouh! Ah, c'est plutôt des... c'est pareil, le stand me semble un peu fermé, je trouve, non? Et oui, le stand aussi est fermé. Je peux pas passer. Je peux passer là, d'accord. Alors, il est pas mal, mais bon, je trouve que du coup, c'est un peu caché. Les poissons sont cachés. C'est dommage. Sinon, ça faisait pas mal comme ça. Alors attendez, et j'essaye de me mettre un peu dans ce sens-là. Ouais. Alors, tout ce côté-là, je peux pas y aller du tout. Sur la plage. Ok. C'est très très sympa. Hein. J'aime beaucoup le sol. Ici aussi, regardez. Ça fait une sorte de maison. Ici, là. Très très bien. C'est joliment fait. Ok, on vend des chaussures ici. Ah, c'est pas mal ça, des marchands ambulants. Bonjour, bonjour, je vends des pommes et des citrouilles, ainsi que du maïs. On nous indique la route, c'est pas mal, hein, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Il y a de bonnes idées, qu'on n'a pas vues partout. Alors, pour le... voilà. Là, je pense que j'aurais pas mis de plantes, du coup. Parce que ça fait un peu bizarre au niveau de son... Alors, c'est moi qui chipote, hein, on va dire. Je vais pouvoir aller sur la plage. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait sur la plage? Il a mis des fleurs partout. Il a un motif au sol aussi sur la plage. Pourquoi pas, hein. Chacun fait comme il veut, hein, vous le savez bien. C'est les motifs de la chaîne. Quand on est sur Animal Crossing, on fait ce qu'on veut. Et nous, on commente. Voilà. C'est pas mal du tout. Là, encore une petite place avec un puits. Alors, c'est les sœurs d'Oddfée qui sont là. Alors, bizarrement, il a mis plus d'objets qui se vendent moins. Surtout les parapluies qui se vendent pas du tout. Ok, fait aussi surf. La boutique des sœurs d'Oddfée fait aussi vente de surf. Un petit coin plage très agréable ici. Alors ça, c'était peut-être pas nécessaire. Oh! Ah bah c'est Cousette. Ou Tiquette, ou je sais plus. Elle peut travailler là. C'est quand même mieux quand il fait beau. Parce qu'elle travaille 24 sur 24. Hein, la pauvre. Ah, il y a un habitant qui est ici. Ah, ça fait penser, on n'a pas regardé qui c'était les habitants. On y va tout de suite.
Alors, qui c'est qui habite là? C'est Lucie qui nous accueille avec Gypsy et Baby. Donc Baby, il est sur la plage et il est en tente. Ils sont accompagnés de Emma Kurt. Alors, c'était mon coup de cœur au départ, Kurt. Je le trouvais très sympa au niveau du dessin. Là, bon, la voix Mounia. Alors, Mounia qu'on a failli avoir la dernière fois sur l'île. Ça s'est pas joué à grand-chose. Coco, Molly, Biquette, Choco, Mehdi, Matteo et Perle complète. Amounia, je serais content de la revoir pour voir vraiment si elle était si bien que ça. On a pas mal de motifs au sol ici. Avec un premier motif tapis, pas mal du tout. Peut-être un peu petit, il aurait peut-être. Enfin bon, moi j'aime que ce qui est grand, alors il n'a pas de chance avec moi. Ah ouais. Bon, il a décoré avec des fleurs quand même sa plage. Mais des fleurs blanches. Ok. C'est pas mal du tout. J'aime bien. C'est pas moche moche. Alors, si tu chopes ça avec une épuise. Avec un filet, moi je veux bien, mais ça risque d'être chaud. Mais c'était pas mal du tout comme petit passage sur la plage. Allez, on va continuer par là. Donc après, sœur doigt de fée. Ah, oh, il y a même un ticket. Les tickets de Sarah. Il y a des chaussettes au sol. Alors, il y avait quelque chose. Je vous ai pas montré, hein, mais il y avait quelque chose au sol que je n'ai pas pris, qui était à côté de Sirena. Je vous en dirai plus tout à l'heure à la fin de la vidéo. Ici, on a un premier coin qui est plutôt café. Ah ouais! Alors ça, on l'a pas, je l'ai pas vu beaucoup utiliser. En fait, ce sont les tonneaux pour faire la table. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Là, un petit coin aussi. Vraiment, ils sont petits ces coins, mais ils sont très bien. Petit coin avec Mélie et Mélo ici. Ok, la fontaine, il fallait bien la placer. Ok. Il y a beaucoup de bancs, etc. On peut se reposer, c'est vraiment agréable. Il y a. Ok, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'objet de la 2.0, de la nouvelle. Ça sera que du 1.0. Les stands sont pas mal aussi, ils sont sympas ces stands. Très sympa. Oh, des cadeaux. Pourquoi pas? Oh. J'ai l'impression qu'on peut pas aller chez elle. On peut pas aller chez elle. Quelle tristesse. Oh là là, c'est vraiment triste, hein. Alors, c'est peut-être qu'elle ne l'a pas fait. Le coin du campeur, juste derrière sa maison. Ah, la valise, elle est là. Bah moi je l'aurais pas mise là, je l'aurais mise à l'entrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait quelque chose un peu au-dessus, une petite lanterne, histoire de. Ok, c'est pas mal le campeur aussi, hein. J'aime beaucoup son motif au sol, très chouette. Alors, vraiment déçu pour sa maison. Mais bon, c'est comme ça. Ah, et encore un étage. Ok. C'est le musée qui est à l'étage. Là encore, un premier coin. On peut s'asseoir. Ok. Alors, c'est marqué que le jardin est ouvert. Ouais, la machine à café. C'est pas mal ici aussi, hein. Alors, j'aurais peut-être pas mis tout ça sur. Ouais, il fait. Le banc fait office de table ici. C'est vrai que j'avais. Je crois que j'ai eu l'idée aussi sur mon petit coin campeur. Je crois que j'ai fait la même chose d'ailleurs. À revoir. Alors les pierres ne sont pas toutes ensemble, mais on voyait qu'ici on a un joli coin. Ça fait un peu musée son truc, c'est pas mal, hein. Oh oui, c'est bien joué ça. Très bien. Bon petit coin pique-nique. Waouh! Là encore, un très beau motif au sol. Comme quoi, avec les anciens objets, enfin les objets du 1.0, vous pouvez faire des choses intéressantes. Ok.
La statue de la liberté en hauteur, enfin tout en bas là. Ok, là je suis plus mitigé. Je trouve que cette table là ne va pas avec ces chaises là. Après, c'est mon avis perso. Là, vous voyez, le motif au sol a changé hein, depuis tout à l'heure. Parce qu'on est plus dans la nature. C'est bien vu, ça aussi. Pas mal d'entre vous l'ont fait. Vous voyez, on repart avec l'escalier sur quelque chose de plus. On va être plus ville. Là, on nous a fait une petite maison très sympa. Plutôt musique, non? On fait tout ici. On mange. Champagne, s'il vous plaît. Hein. On peint aussi ici. Alors la peinture devrait pas être de l'autre côté. Parce que là, c'est la personne qui est peinte qui se met là. Peut-être. D'accord. Bonne idée. Bonne idée. Alors si je redescends, ça donne quoi? Je reviens par là. Ok, on fera ça plus tard. Je vais rester en hauteur pour l'instant. Il y avait des maisons ici, on n'avait pas vu ce petit coin juste là. Parce que je venais de par là. Il y a une maison aussi devant. Alors je sais pas, je crois que je l'ai faite hein, celle-là. Alors que nous avons ici Perle. Elle est pas mal Perle aussi, hein. Et voici Kurt! Moi, je lui trouve un certain charme. Mais bon, je trouve qu'au final, le bas du. Allez, pousse-toi un petit peu. Après, la voix, j'aime pas. La voix, j'aime pas du tout. En tout cas, son petit coin ville est très très sympa. On va continuer par ici. Là encore, un nouveau motif au sol. Ils sont très bien choisis ces motifs au sol. Alors des soldes sans doute ici. Ou plutôt à vendre, ouais non, c'est plutôt juste à vendre. Ok. Alors j'espère que la deuxième maison sera disponible, mais j'ai un peu peur que non. J'ai vraiment peur que non. Là, je peux pas. Ici, c'était pas une maison. Je vais redescendre complètement par là. C'était vraiment sympa. Il y a des chouettes trucs hein, sur cette île. L'île Gipsy Road. Très agréable. Alors là, on revenait sur le coin qu'on a fait. Et je peux pas aller en bas encore. J'espère que je vais pouvoir aller et en bas et également pouvoir. Alors ça, c'est un coin qu'on n'avait pas vu. Elles sont jolies ces chaises, hein. Et de chouettes. Ouais, vous voyez, ça c'est un petit coin sympa quand vous êtes là. Tranquille, vous reposez, vous regardez ce que vous avez fait, vous dites ouais, c'est chouette. Ouais, mon île est quand même très classe. Et vous avez le droit de le penser. Allez, on continue par là. Ah ouais, il a même. Il a même protégé ses citrouilles. Naminski a dû faire un tour chez lui. C'est pas mal ça, les idées sont bonnes, hein. J'aime bien. Et vous voyez, je crois. Enfin, non, ça va être bon, je vais pouvoir passer. Ouh, j'ai cru à un moment que je pouvais pas passer. Là aussi, c'est très bien ça. Alors, est-ce que j'aurais pas mis la plante plus devant ou plus, un peu derrière? Et mettre les livres, mettre la table plutôt de l'autre côté, et mettre les livres juste à côté du canapé. Peut-être.
Mais c'est très très sympa. En tout cas, vous voyez, il a mis des gens sur, sur la plage. Très bien, c'est bien foutu, hein, je trouve. Hein. Alors bon, j'aime, vous savez que j'aime pas les fleurs sur la plage. Hein, mais... Ah, et là, je vais être à nouveau bloqué. C'est fou, ça. Le nombre de coins où je peux pas... J'ai pas... Il me laisse pas aller. C'est très étrange quand même parce qu'on est... Ah oui, il y avait des plans. Je crois qu'on avait vu des plans de très loin. Il faut que je passe par là, si je veux passer. Voilà. Et ben, je cherche encore la première maison, ou la deuxième d'ailleurs. Je vais peut-être la trouver. On a... C'est dommage hein, qu'on n'ait pas accès à tout. Parce que il y a des coins plages. Alors, on dirait mon motif au sol, ça, celui-là. Il est très chouette. Très très chouette. Ah oui, non, c'est le garçon, ça, c'est Baby. Aïe! Aïe aïe aïe. Ah bah Mounia, elle est là. On aura vu tous les habitants que je voulais voir en plus. Oui, je suis un visiteur d'ailleurs. Oui, île de rêve, j'irai pas jusque-là, mais c'est une très belle île, t'as raison. Alors, regardons où était la première maison. Alors attendez, on a vu celle du Gypsy. Et celle de Lucie était un peu plus haut. Il faut que je passe par là. Par ici, il faut que je passe. Oui, c'est un coin qu'on n'a pas fait, passer devant Apollon. Voilà, vous voyez que vous pouvez prendre les motifs perso. Franchement, c'est pas ceux qui sont indiqués là sur. C'est pas. Donc ça sert à rien. Franchement, ils sont pas terribles, hein, ceux qui sont dessus. Ah, j'aurai une maison à faire. Youpi! On finira donc cette vidéo par la maison de Lucie, la maison principale. Et elle a à côté. Qui c'est qu'elle a à côté? Je voudrais bien savoir. Alors, qui c'est ton habitant que tu as mis à côté de toi? C'est Mounia, justement, que tu as mis à côté de toi. Ça se comprend. Allez, tout de suite, la maison de Lucie. Nous voici dans la maison. Et on peut dire que cette pièce est bien remplie. Franchement, il n'y a pas de défaut. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il n'y en a pas. Après, vous avez le droit de penser le contraire. Peut-être le canapé qui aurait dû être de la même couleur. Il n'était pas obligé de se rajouter un autre canapé ici, je pense. Il y a du potentiel dans cette belle pièce. Très très bien. Alors n'oubliez pas les amis que cette île ne possède pas la mise à jour actuelle. Hein. Donc au niveau des objets, on est dans ce qu'on peut faire de mieux. Hein. C'est quand même délicat de faire autre chose que ce qu'on voit. Parce que c'est vrai que bon, on avait quand même les objets qu'il fallait, mais... Quand même, avec la 2.0, on a grandement évolué au niveau des objets. Même si je trouve qu'en cuisine, on n'a pas autant que ça, je trouve. En tout cas, c'est une belle pièce de cuisine. J'aime bien. Peut-être que la table aurait pu être différente. Et surtout être peut-être noire ou blanche. Blanche, peut-être. Peut-être, oui. Peut-être moins coordonné au niveau des couleurs. Hein. Allez, c'est pas grave. La troisième pièce, c'est plutôt salle de bain WC. Alors, c'est pareil, j'ai du mal à passer, mais ça va. Il y avait juste une petite bougie qui me gênait pour passer. Ok, les WC sont là, juste à côté du lavabo. Est-ce que c'est vraiment nécessaire comme ça? Je ne sais pas. Allez, on va voir la prochaine pièce. Eh bien, la quatrième pièce est plutôt une chambre. Une chambre où on travaille aussi. Oh, il y a des chouettes trucs au mur. Des photos des habitants. Ok. C'est plutôt bien fourni, hein.
Alors, au niveau des couleurs, vous voyez par exemple ici, c'est vrai qu'il est un peu différent que ces couleurs-là. Moi, pas que ça me choque, hein, faut pas non plus exagérer. C'est que ça te fait quatre couleurs. Hein. On va partir de cette couleur-là. On a le bois blanc moitié ici. La chaise est plutôt un peu plus foncée. Ici, vous avez une autre couleur encore en marron. Bon, qui va avec celle-ci, celle du lit, mais pas avec le reste. Et vous avez une armoire blanche qui, à la rigueur, c'est pas très grave puisque vous avez une télé grise. Non, mais c'est vrai, ça peut ne pas être gênant, mais moi, personnellement, ça me rebute un petit peu. Après, chacun fait comme il veut, vous le savez bien. La pièce du haut, c'est la pièce un peu déco. Peinture, ouais. Peinture, couture. Et petit café. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas original parce qu'on l'a déjà vu, mais c'est bien foutu. J'aime bien. Dernière pièce et non pas des moindres, je trouve que c'est pas mal. Notre ami nous a fait moitié un bar ici. Enfin, notre ami nous a fait moitié un bar ici. Où elle a mis aussi le sèche-linge, c'est pas mal. On écoute un peu de musique, on peut regarder un film, je crois, qu'il y a la télé, oui. Et de l'autre côté, on a à nouveau des toilettes. C'est une chambre, en fait, de ce côté-là. En fait, une chambre d'amis, peut-être. Avec ventilo, quand il fait trop chaud. Il y a les toilettes, la salle de bain, c'est pas mal, il y a tout ce qu'il faut. Oui, voilà. En plus, on nous a expliqué le pourquoi du comment. En fait, on accueille des gens en supplément. C'est très bien. Bravo à toi. Et voilà, les amis, je suis resté devant la maison de Lucie parce que je trouve que le petit coin qui est juste à côté, qui s'est fait pour elle avec les brochettes qui dort sur le barbecue doré, qui cuise si vous préférez. Moi, je trouve ça sympa. En plus, le motif au sol me plaît bien. Alors Lucie, tu as du courrier hein, au cas où tu regardes cette vidéo, n'oublie pas. En tout cas, moi j'ai plutôt aimé cette île, je la trouve très sympa, beaucoup de motifs et de très beaux motifs, il y a eu énormément de boulot sur cette île. La maison était plutôt agréable, il y a bien un ou deux trucs qui m'ont un peu déplu, notamment j'avais compris au niveau des couleurs. Après, moi, ce que je trouve bien, vous le trouvez mal, peut-être, hein, et ainsi de suite. Chacun a une vision un peu différente au niveau des couleurs. Ce qui était dommage sur cette île, c'est qu'on n'ait pas pu visiter la deuxième maison et des petits coins aussi. Mais après tout, c'est pas bien grave. Vous voyez qu'il y avait des objets, une baguette étoile et un ballon, je crois. Voilà. On va s'en aller avec Serena. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous avez normalement une petite notification pendant toutes les vidéos maintenant, tout en bas pour vous abonner. Je vous dis à bientôt!